Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Ce matin, je suis au marché de la Rose des Vents d'Aulnay-sous-Bois. D'ailleurs, un petit coucou aux personnes que j'ai vues en route. Deux euros les jeans. Je vais en acheter pour les filles. Cireux, les jupes. Donc si vous avez des dadri, je sais jamais comment on dit. Dadr, voilà. Donc vous voulez changer de couleur de tissu. Ouais. Donc voilà, vous avez ici tous les tissus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les dadr, c'est, vous savez, les canapés, alors j'ai envie de dire d'origine... Marocain, algérien, enfin maghreb, enfin tout le monde, voilà, pas de pays en particulier. Vous savez, c'est les banquettes pour former un sorte de canapé. Hop, donc c'est pour ça. Donc vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est le bois. Vous voyez, pas mal de choix. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller voir sur... hop, je vous laisse tous ces réseaux. Ah, il y a aussi un marchand de tapis. On a celui-là, vous voyez, il fait 3 mètres sur 4, 120 euros. Vous avez d'autres modèles. Hein. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné le prix du tapis qu'on vient de voir, 120 euros. 12 euros. Bien évidemment, on retrouve du tissu. Ça, c'est bien, ça, pour faire des cafetans. Donc ça, c'est sympa avec la doublure. Donc c'est des coupons de 3 mètres, 3 mètres et demi. Mmh. 6 euros les douchettes. Hein. €5. Oula. €25 celle-ci. €5. Alors c'est des tailles uniques, hein. La plupart. €6 les pantalons. On a ça, 1 euro. Ça peut valoir le coup. Hein. 1 euro. 1 euro. €5. Alors pour vous repérer, moi je suis arrivée, vous avez vu par où je suis arrivée, j'ai pris la première allée tout à droite. Il y a des rideaux.
peu style lin. On a le blanc. On a le noir. Encore des robes à 5 euros. On a celle-ci à 10 euros. On a les ensembles là en laine. On a rose, j'ai vu du vert et du noir et du jaune. Voilà, vert, rose, on voit le jaune. On a ceux-là qui sont sympas, faits en pull par rapport aux autres qui étaient un gilet. On a du vert aussi. Les ensembles, ils étaient à 20 euros en maille. Vous voyez, on a beaucoup d'articles à 5 euros, 1 euro, 2 euros. Après, on a ceux-là, 10 euros. Les robes en maille comme ça. Alors, regardez bien les tailles. Hein. Parce que vous ne faites pas comme moi. J'ai acheté une robe pull et en fin de compte, sur moi, ça fait un pull tout court. Alors, si vous cherchez des graines pour oiseaux, il y a un marchand. Et d'ailleurs, je me posais la question. Je crois que j'ai jamais vu de marchand comme ça sur les marchés. Et ils sont là les dimanches et je crois qu'ils sont sur d'autres marchés. Alors Argenteuil, Cergy, quelquefois Orgemont et Aulnay ici le dimanche. Donc ça peut être intéressant. Alors, ils ont aussi des cages, ils ont pas mal de choses. Je trouve ça sympa. Hein. Alors, ils sont tout au fond du marché en fait. Tout au fond. Donc en fait le marché, on arrive, il est composé de plusieurs allées comme ça. En fait, c'est un carré donc avec plusieurs allées. Et moi, je suis tout au fond. Enfin, là, si vous cherchez pour les oiseaux, c'est tout au fond. Deux euros les housses. Après, à mon avis, c'est des dupes, donc faudrait demander aux vendeurs. Oula, je vais tout tomber. Donc, il y en a 100 à l'intérieur. Après, il y a pas mal de maquillage pour les yeux. On a pas mal de crayons. Donc, je pense qu'il y a de tout hein, pour les yeux, pour les sourcils. Le pack pour faire des... smoke. En tout cas, il est grand son stand. Il y a de tout. Il a même les brumes. Bien évidemment, hein, il y a des fruits, des légumes. Les poivrons à 1,99€. Les poivrons à 1,99€. D'ailleurs, je devrais vous poster une petite vidéo sur ma chaîne de cuisine avec du poivron. Des courgettes. 1,50€ et 2,99€. Alors celles-ci, elles ont un goût particulier. Alors celles-ci, on me dit, spécial couscous, elles ont un goût particulier. Oui. C'est vrai? Oui. Voilà, merci madame. Les tagines. 35 euros. Les services, 25 euros. Les pots. L'ensemble 15 euros. Oh, c'est mignon ça. Ça, c'est de la fontaine. Je sais pas combien de litres. Oh, 5 litres. Elle a l'air immense. Les verres à jus. Oh, moi, j'aime bien les théières transparentes en fait. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, vous voyez, il y a un ressort et alors, je me demande, j'ai un doute, hein. Je pense que c'est pour filtrer. Et mon frère, oui, ma soeur. C'est les paiements à 4 euros. Ah, ben voilà, les aussi pour faire les crêpes, mais celles-ci, elles sont un peu plus grandes que celles que je vois d'habitude. Avec ça, on peut faire des crêpes, des pancakes, on peut faire des petites omelettes. Pensez aux petites omelettes ou aux œufs au plat. Bonjour.
On a des gros sachets oignons, pommes de terre, oignons rouges, 3 euros. On a les gros sachets d'ail. Ils sont à combien l'ail ? 10 euros. 10 euros l'ail. Deux plateaux 5 euros, je pense que 2,50 euros le plateau, c'est super intéressant. Après, on a des petits sachets comme ça, gingembre, ail et petites pommes de terre. Si vous cherchez le stand, il est à côté d'un marchand de poissons. Oh, j'ai pas vu ça, j'aime bien. Enfin, faut avoir de la place, mais voyez, il y a les trois comme ça. Donc, pour mettre les patates, les oignons et l'ail. Bien sûr, on arrive sur les épices. Alors ça, c'est pas des épices, c'est, voilà, c'est du blé et tout ça, voilà, oui, c'est avant de devenir de la semoule ou autre. Pois chiche, la verveine, gingembre en poudre. 100 grammes 100 grammes, oui. C'est du thym qu'on a vu juste avant. Petite tisane de ça, c'est excellent. Et donc le poissonnier dont je vous parlais qui est en face. C'est bon. On est tout ce qui est en poterie. Alors je crois que ça c'est des carafes pour filtrer l'eau. On a ça, je crois que c'est pour poser. Alors si, ça doit être ça. Alors non pas ça, mais ça. Voilà, pour poser les tagines sur le feu. S'il vous plaît. C'est combien? Vêtements pour enfants. 10 euros. Les chemisiers, toujours pour enfants. Il est sympa le chemisier. On a plusieurs couleurs. On a du rose, du noir, petite jupe plissée, en simili-cuir. Du tissu. Alors le tissu se vend soit par coupon, soit au mètre, ça dépend je crois du style de tissu. Après voilà, encore une fois on est sur le marché, donc à chacun de négocier tant qu'il peut, à la discrétion de chacun. Après toujours pareil, quand, comme je vous dis aussi dans les magasins, quand on arrive, on a tendance à aller vers le premier marchand et on prend... C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se dit je vais faire un tour et quand je vais revenir peut-être qu'il n'y en aura plus. Mais des fois ça vaut le coup de faire un petit tour déjà pour voir un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir faire son choix. €30, alors ça c'est bien pour faire le pain. €1 le bol, les 3 pour €2. On a aussi un stand pour la couture. On a des soutiens-gorge à 2 euros. Il y a des jolies couleurs. Allez mesdames, il y a que du beau aujourd'hui. Ah bah voilà, si vous voulez pas le tissu, vous voulez des cafetans déjà faits, il y a celui-là, il est trop beau. Bleu, on a du vert, voilà, il est super joli. €85 celui-là, 75. 65€ celle-là. 75 celle-là. Ah bah elles sont là. 35€. Et bien sur ce, je vous laisse sur ces jolies tenues. Je vous fais plein de gros bisous. Alors il y a plein de trucs sur le marché. Hein. J'ai vu, j'ai pas vu de boucherie en elle-même, il doit y en avoir. J'ai vu juste un marchand de merguez, de charcuterie, etc. Alors j'ai fait peut-être 15% du marché. Hein. Il y a encore plein d'autres stands.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.